Il était temps de faire un book haul sur cette chaîne, ça faisait longtemps. Celui-ci va concerner le mois de octobre et novembre réunis. Je ne compte pas faire beaucoup d'achats jusqu'à la fin de l'année. Je me limite vraiment, vraiment. Donc ce petit book haul va concerner surtout des réceptions, des cadeaux et quelques petits achats que j'ai quand même effectués parce que je ne sais pas me tenir. Donc on va commencer tout de suite avec ce que j'ai reçu. On va commencer par un magnifique cadeau, un cadeau d'anniversaire. J'ai reçu l'Ikabok de J.K. Rowling de la part d'un ami qui m'est très cher et il m'a offert cette magnifique édition hardback. Haut comme deux chevaux, des boules de feu étincelantes à la place des yeux, de longues griffes acérées telles des lames, l'Ikabog arrive. Voilà, on est clairement dans du jeunesse, voire très jeunesse, mais l'édition est juste magnifique. C'est écrit très gros et je pense que j'ai envie de le lire au mois de décembre, pendant les fêtes. Voilà, je pense que ça doit être l'Ikabog. C'est absolument magnifique, c'est une très très belle édition. Je vais vous montrer la couverture en hardback sans la jaquette. Très sympa aussi, tout vert. Voilà, donc vraiment un très très bel ouvrage et je me réjouis de le lire parce que j'aime beaucoup J.K. Rowling, enfin qui ne l'aime pas. Voilà, donc ça ce sera une de mes prochaines lectures du mois de décembre que je vais effectuer à la maison puisque ce livre est intransportable. La deuxième réception, deuxième cadeau que j'ai eu, c'est un gain de concours. Puisque j'ai gagné un jeu concours grâce aux éditions XO. Un duo de livres dans lesquels je vous parle déjà dans ma précédente vidéo, puisque ces lectures, je vais me les enquiller au mois de novembre pour le Black November. J'ai reçu Le Dernier Message et sa suite, Le Passager sans visage de Nicolas Beugler, qui sont donc deux thrillers d'un auteur que j'aime beaucoup. J'ai lu Complot et pour moi, c'est dans les top 3 de thrillers que j'ai lus. Complot qui a un message profondément féministe et que je vous recommande vraiment de lire. Donc je me réjouis vraiment de découvrir Le Dernier Message et Le Passager sans visage que je prévois donc de lire sur la dernière semaine du Black November, c'est-à-dire à cheval entre fin novembre et début décembre. Voilà. Donc ça, je pense que ce sera aussi une chouette lecture. Les livres de Nicolas Beugler se lisent tout seuls. J'ai vraiment hâte. J'ai aussi les éditions des Tourments qui faisaient appel à des personnes qui voulaient en fait chroniquer leurs livres et faire parler un petit peu de cette maison d'édition. Et alors j'ai demandé un livre qui me faisait vraiment envie sur leur site. C'est Sombres Apparences de Jill Thiel. Et en fait, ce livre-là, pourquoi il me faisait envie, c'est parce que c'est un policier. Ici, on va être sur une enquête d'un meurtre d'une influenceuse qui est retrouvée morte près de New York. Je crois que ses pieds ont été découpés. Il s'agirait de l'œuvre d'un serial killer. Et on aura un duo d'enquêteurs, une jeune femme qui sort tout juste de la Police Academy et un vieux policier de la veille qui a déjà beaucoup de bouteilles derrière lui. Et voilà, donc ils vont collaborer pour essayer de résoudre cette énigme. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire. Et alors, c'est dommage que vous puissiez pas sentir vraiment la couverture, mais c'est du velours. La couverture est sublime. Et vraiment, ils ne font pas que des livres aussi, les éditions Tourment. J'ai vu aussi des romans graphiques sur leur site internet, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'ils font. J'ai hâte de vous faire un retour de ce livre très très vite. Il est très court, hein. Il fait à peine, même pas 300 pages. Donc celui-ci sera lu très rapidement. Une autre réception, là toujours dans le cadre du petit groupe Facebook dont je fais partie, où nous nous envoyons des livres tous les mois entre nanas. J'ai reçu Crucifixion Road de Nicolas Gorodetsky. Là aussi on est sur un policier thriller et apparemment on est dans le Bayou. Sur fond de l'énorme ouragan Katrina qui avait dévasté la Louisiane à l'époque, on est dans le Bayou, on est en Louisiane, on est avec un jazzman qui va être, je crois, capturé par le Ku Klux Klan. Ça a l'air juste passionnant, donc j'ai vraiment envie de le lire, surtout qu'elle l'avait adoré. Il s'agit d'un livre déjà lu, un livre d'occasion, qui a beaucoup, beaucoup plu à sa propriétaire, et j'ai hâte de découvrir aussi cette histoire avec Crucifixion Road, qui est ici aux éditions Yana, je ne vous l'avais pas précisé. De la part d'un de mes chers abonnés, j'ai reçu deux romans, et pas n'importe lesquels, Animal de Christophe Samarski et Le Coutelier de Quiet Bay de Pascal Carrère, deux ouvrages qui vont me faire voyager respectivement au Japon et en Afrique. Les couvertures ont été réalisées
par mon cher abonné qui se reconnaîtra. Et ici, on est sur un roman plutôt philosophique, voilà, plutôt contemporain philosophique, et l'autre qui, je pense, sera un petit peu plus dans la veine thriller. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ces deux histoires aux éditions Hasard. Et encore une fois, je salue vraiment tout le talent pour les couvertures de ces deux romans. Ils sont très petits, très courts, donc j'ai vraiment hâte aussi de me replonger dedans. J'ai pas envie de les laisser se perdre dans ma bibliothèque, vraiment pas. Donc je vais vous en parler, je pense, très très rapidement, je vais vous les chroniquer. Également, bah écoutez, c'est tout pour les réceptions. Maintenant, je vais vous parler de mes rares achats. Le seul achat neuf que j'ai effectué ce mois-ci, j'en ai un peu profité parce qu'il était... Il était là devant moi en grand format, et étant donné que le premier tome, je l'ai déjà en grand format, je me suis pris le tome 2 de la Traversée des temps d'Éric Emmanuel Schmitt, qui est un auteur que je continue de découvrir. Et ici, c'est le tome 2, La Porte du Ciel. Donc Éric Emmanuel Schmitt a décidé de réécrire la genèse de l'humanité à travers une série de romans comme ça. Donc ici, c'est paru aux éditions Albin Michel. Pareil, j'ai vraiment envie de découvrir cette histoire, cette saga, avant qu'il ne publie le troisième, bien sûr. Donc je pense que je vais m'y plonger également, si j'arrive avant la fin de cette année. Sinon, ce sera peut-être un très beau livre à lire en janvier pour la nouvelle année. Les quatre achats d'occasion que j'ai effectués ce mois-ci sont des poches. C'est souvent le cas, j'achète souvent des petites poches d'occasion, j'adore ça, sur le marché aux livres qui se situe à côté de mon boulot. Et le premier, c'est bien sûr, encore une fois, un Georges Chesbrault, Le Seigneur des Glaces et de la Solitude, que je ne pense pas avoir déjà lu. Ici, on est en Alaska avec une caverne qui est découverte de par la fonte des glaces, en fait, de par la fonte des neiges et des glaces. On va découvrir une grotte qui recèle les secrets peut-être de l'humanité, en tout cas de quelque chose de très très ancien. Ça rejoint un petit peu Femme du ciel et des tempêtes que j'ai lu il y a pas longtemps, dans lequel on avait découvert une femme de type africain en plein, je crois que c'était... péninsule de Yamal, et ici on est voilà, en Alaska. Donc j'ai vraiment envie de découvrir aussi ce petit ouvrage là chez Rivage Noir, toujours. Si vous cherchez du Georges Chesbrault, c'est souvent chez Rivage Noir que vous le trouverez. Je me suis pris aussi Balzac, La peau de chagrin. Je sais pas pourquoi je l'ai pris, peut-être pour continuer la lecture un petit peu des classiques français, La peau de chagrin étant quand même une des œuvres majeures de la littérature française. Ici, on est chez un marchand de curiosités où Raphaël déniche un étrange talisman, une peau de chagrin qui accomplit tous les désirs, mais qui rétrécit un peu plus à chaque souhait, en même temps que diminue le nombre de jours qui restent à vivre à son possesseur. Voulant illustrer l'axiome selon lequel la vie décroît en raison directe de la puissance des désirs ou de la dissipation des idées, Balzac a écrit avec La peau de chagrin un roman hanté par le spectre de la dilapidation et de la dislocation. Antise de l'usure du corps et de la dépense sexuelle, antise de la dispersion de l'intelligence et de l'égarement des esprits, antise encore de la perte du sens politique et des repères philosophiques. Donc voilà, un roman avec plein de dimensions que j'ai vraiment hâte de découvrir ici avec Balzac. Je me suis aussi procuré un auteur que j'aime vraiment beaucoup, à part Le Cafard ou L'Homme Cafard, je ne sais plus le titre exact, Les Cafards je crois. J'avais pas beaucoup apprécié ce roman-là de Joe Nesbo, mais tous ses autres romans, je les ai adorés. Et je me suis procuré L'Étoile du Diable, en poche ici, chez Folio Policier. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais si vous voulez, je peux quand même vous donner le synopsis. Ici, on est en présence de l'inspecteur Harry Hall qui va enquêter, c'est donc une série de sagas, hein, qui va enquêter sur des meurtres en série, toujours un tueur en série, qui sectionne un des doigts de la victime et qui dépose un diamant en forme d'étoile à 5 branches près de son œil, il me semble. Donc on est aussi en présence d'un serial killer et d'enquête de l'inspecteur Harry Hall, pour ceux qui connaissent, qui est un inspecteur récurrent de la série de Joe Nesbo. Et je suis tombée également sur un roman aux éditions Babel, c'est Herbjörg Wassmo. Alors à une époque je lisais que du thriller nordique, hein, donc des auteurs de thriller nordique j'en connais, mais celui-là, jamais entendu parler. Mais j'étais attirée par cette couverture, ce corps magnifique, la dénudée, c'est incroyable. Un verre de lait s'il vous plaît. Alors le synopsis est un peu long, mais je vais vous lire parce que c'est lui qui m'a vraiment donné aussi envie. Dans un village de Lituanie, Dort, 15 ans, vit avec sa sœur et sa mère.
Malgré un quotidien rude, la jeune fille demeure pleine d'espoir quant à l'avenir. Persuadée qu'une vie plus douce l'attend, elle accepte de suivre une amie à Stockholm afin de devenir serveuse, mais tombe aux mains de proxénètes qui gèrent un trafic entre la Suède, la Norvège et les Pays-Baltes. Ce récit déploie toute sa violence à mesure que Dort, désormais esclave sexuelle, s'habitue à l'intolérable. Et ses seuls compagnons sont si ambigus, tour à tour possibles confidents ou geôliers, qu'elle ne peut que se replier sur elle-même pour échapper à son carcan de sévices et de peurs. Elle s'évade alors dans ses pensées et ses souvenirs, imagine des dialogues avec son père défunt, comme une ultime tentative pour s'accrocher à la vie. Alternant réalisme cru et passage de rêverie, Herbjørg Wassmo livre le portrait poignant d'une jeune fille et un tableau complexe de la prostitution dans un roman porté par la révolte, dont l'histoire et les personnages choquent durablement. Voilà, j'étais vraiment attirée par cette histoire, par le destin de cette jeune Dort, et j'ai vraiment envie de découvrir la plume de cet auteur que je ne connais absolument pas. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler et vous pouvez me le conseiller ou pas. Et enfin, je voulais vous présenter juste quelques journaux, quelques magazines que j'ai achetés ce mois-ci. Je ne sais pas si vous êtes des lecteurs de magazines, si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez couper la vidéo de suite. Il s'avère qu'en octobre, il y a eu quelques numéros très très intéressants, notamment de Alternatives économiques. Vous savez à quel point le sujet m'est cher. On parlait de l'intelligence artificielle. Faut-il la craindre ou pas? Je ne l'ai pas encore lu, donc j'espère découvrir un petit peu ce dossier des alternatives économiques. Quant au point, il s'est intéressé en ce mois d'octobre, septembre, octobre, novembre, à l'histoire de la censure dans la littérature. Donc ici, on va passer sur différents textes tels que Sade, Nabokov, Diderot, Molière, etc. Tous les textes de l'histoire qui ont connu des censures à un moment donné, à leur époque en tout cas. Donc ça peut être super intéressant, il y a de très très belles illustrations aussi, très parlantes, notamment ici, le phénix renaissant de ses cendres. Voilà, je vous le montre un petit peu. Voilà, en tout cas un numéro, je pense, qui va grandement m'intéresser. De toutes ces œuvres-là, j'ai pas tout lu, notamment Salman Rushdie. J'ai pas lu les versets sataniques. J'ai lu Nabokov, voilà, j'ai lu certains romans qui sont, on va dire, un petit peu à scandale. Mais voilà, en tout cas, je suis très très intéressée de découvrir ce numéro. Et j'ai aussi découvert deux magazines. J'ai découvert celui-ci, c'est Holly by Psychology, donc qui faisait un dossier sur les couleurs de l'automne. Donc là, c'est un magazine qui est axé bien-être, yoga, spiritualité. Voilà, là notamment, on parle du yoga Kundalini qui m'intéresse énormément en ce moment. Et un petit peu dans la même veine, j'ai découvert le magazine Open Mind que j'ai acheté pour le dossier également, rester maître de son temps. J'ai commencé à le feuilleter, c'est très intéressant, c'est très bien fait, c'est très aéré. Je trouve que les illustrations qui sont faites avec une jeune femme qui s'appelle... Je disais donc avant d'être coupée qu'en fait ce magazine a été grandement illustré par Marion Couder de Mazy, qu'on appelle aussi la Jeannette. Et j'aime beaucoup vraiment son style graphique. Est vraiment très très intéressant, c'est un peu, on dirait des pastels, enfin vraiment c'est super joli, des découpages, des pastels, on sait pas trop comment elle fait, mais c'est absolument magnifique. Et donc c'est un magazine pareil qui est axé aussi sur vraiment la psychologie, là en l'occurrence on parle beaucoup de la gestion du temps, de la charge mentale des femmes notamment, puis il y a tout un tas de dossiers très très intéressants, dont un petit sur les chakras. Donc celui-ci, je peux vraiment vous le conseiller si vous arrivez encore à tomber dessus. C'était le numéro de... d'octobre-novembre 2021. Donc normalement, celui-ci, vous le trouvez encore dans les librairies, dans les points de vente presse, tout simplement. Voilà, dites-moi si vous connaissez ces magazines-là, si vous inspirent aussi au quotidien. En tout cas, voilà un peu pour les découvertes aussi au niveau de la presse. Pour ma part, bah écoutez, c'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui, parce que vraiment mes achats vont se faire de plus en plus rares hein, sur cette fin d'année. Je vous ferai peut-être encore un book haul fin décembre, début janvier, mais ce sera tout pour l'instant, parce que je veux vraiment enquiller les lectures que j'ai et qui sont derrière moi, qui s'entassent. Je vais lire beaucoup de livres de poche bientôt aussi, parce que j'ai envie de liquider un peu plus mes poches. Pour ma part, ce matin, j'ai terminé la lecture de Germinal. Je suis très contente de l'avoir terminée, cette lecture, et de vous en parler très très bientôt dans un point lecture. Et bah écoutez, je vous salue bien et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut !